Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle réaction. Alors j'étais en train de tourner une vidéo tout et oula, j'étais en train de tourner une vidéo et j'ai vu qu'il y avait tout simplement le chapeau T2, une bande annonce du chapeau T2. Donc bon, on va réagir à ça, chapeau T, le chapeau T1 qui m'avait pas vraiment marqué, mais de souvenir c'est bien. Donc on va tester. On va voir ce que le 2 il va faire. C'est un perso de Shrek. Et du coup, puisque c'est un perso de Shrek, c'est forcément bien. On me connaît sous bien des noms. Pâte de fer. El Matou Macho. Des lécheurs de l'Enchi. Je suis le chat, poté. C'est une autre forme d'animation. Envolez-moi. Une animation que je suis et vous pas autres, vraiment fan. Doublez la cadence. Et toi, les géants. Ouais, ça reste de la 3D. Ah, il y a un peu de 2D. Ouais, c'est grave bizarre. Vous voulez voir un truc cool? Ils ont fait ça comme ça. C'est un peu à la Spider-Man. Rentrez il y a certaines scènes comme ça. Vous êtes tous et Spider-Man. New Generation. Il est pareil. Mauvaise nouvelle. Yes. Tu es mort. Docteur, t'inquiète. Je suis le chapeauté. J'ai 9 vies. Bon, et tu es mort combien de fois déjà? Les matémons est fâché. Hola, señorita. Je vous offre un gazpacho. Il y a des fruits de mer là-dedans. Un chat retombe toujours sur ses pattes, regardez! Non. Regardez! Regardez! Ah! Et là, tout à l'heure, il y a eu les géants. Alors, ça fait combien tout ça? 4? Ça nous met à 8, poté. Que veux-tu faire de ta dernière vie? Quand tu n'as qu'une vie à vivre, c'est ce qui la rend unique. Perso, je m'en souviens. Et puis il y en avait un troisième. Trois. Crame-moi, c'est des gammes. Ça fait un perso de trois de Madagascar. Famille de mafieux. T'es censé être mort, le chat. Ben. Ça rate jamais. Chaque fois qu'on fait équipe, ça part en vrille. Fais-moi confiance. T'es obligé, t'as pas vu ses yeux? Tu trouves ça mignon? Et avec les papates, c'est carrément trop mignon. Et moi j'y arrive. Arrête, tu vas te fouler un œil. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Je dis pas non. Je dis clairement pas non. Bah à tester, après l'animation est quand même différente, mais c'est pas 100% de la 3D. Bah ça reste de la 3D. Ça reste moins 3D dessin animé que le Spider-Man New Generation, film que j'ai jamais vu. Très grosse erreur, j'adore la musique. Franchement, il a l'air sympathique. Mais quand même, il y a certains trucs qui. Ouais, spécial. Hein. Après, évidemment, j'aurais préféré un Shrek 5, mais. Est-ce qu'il faudrait un nouveau Shrek? Je sais pas. Parce que le 4, je l'ai bien aimé. Le Shrek 1, je l'ai adoré. Shrek 2, c'est mon Shrek préféré. Shrek 3, j'ai vraiment pas aimé. Et j'ai très mauvais souvenirs. Et Shrek 4, il passe. Il passe quand même. Ça, je l'aime bien. Donc, chapeauté 1. C'était pas un film qui m'a vraiment marqué, j'avais un peu maté le dessin animé. Et pourquoi pas, hein, ça fait une nouvelle histoire de l'univers de Shrek, comme ils disent dans la bande-annonce, que vous allez voir tout de suite. Ouais. Donc pourquoi pas. Bref, bah je vous fais des bisous et je verrai si ce sera bien, si je le verrai et tout. Beaucoup de films cette année, hein. C'est 2020 qui devait être l'année du cinéma pour moi. Je pense que ça sera cette année, hein. Parce qu'il y a plein de trucs qui ont été reportés à cette année et tout. Il y a littéralement Sonic le film 2 qui sort bientôt. Peut-être quand vous verrez cette vidéo, elle sera déjà sortie. Non, j'espère pas pour vous. Et j'ai envie. Et voilà, bref.
Des bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.